Salut chers internautes, merci de nous recevoir chez vous. Pour cette nouvelle édition des Côtés, je vous amène à Douala Bonaprizo, à l'ouverture officielle du centre Mbekot Kids. Mbekot Kids, c'est un centre qui veille à l'apprentissage et l'épanouissement des enfants à travers la technologie. Quelle est l'importance d'initier les enfants à la technologie dès le bas âge? Nous en avons parlé et je vous fais découvrir cet univers passionnant. Le centre Mbekot Kids, dédié à l'apprentissage à travers la technologie qui cible les enfants de 5 à 17 ans, a officiellement ouvert ses portes le vendredi 3 mai à Douala. Avec ce centre, la promotrice souhaite anticiper sur l'impact que peuvent avoir les changements technologiques sur le futur. Sa stratégie, amener les plus petits à s'intéresser à la technologie. On utilise des kits didactiques, on leur apprend à quoi servent tous les éléments qui sont utilisés dans la confection des kits. Et une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne, eux-mêmes, ils font le montage des kits, eux-mêmes, ils font le pilotage. À travers cette initiative, celle qui a vu le jour au Cameroun et qui vit désormais en Belgique veut faire de la robotique et du codage une aventure éducative et passionnante pour les enfants. Il s'agit pour elle de les doter des compétences du futur afin de mieux les préparer aux défis technologiques. Ouvert en 2019, ce centre qui forme des adultes depuis 5 ans a commencé à recevoir les enfants depuis 2020 et en a formé 408. La version Kids, c'est-à-dire enfants, qui vient ainsi d'être inaugurée, offrira un espace plus propice pour l'épanouissement des petits. La première cuvée du centre Mbekot a répondu présente à cet événement. Ils ont partagé leur expérience avec les plus jeunes. On a fait une formation de développement full stack, c'est-à-dire qu'on développe des interfaces web en front office et en back office, tout ce qui est base de données et tout ce qui est identité visuelle, etc. C'est cette formation qui permet donc de concevoir des sites internet, des applications mobiles, des applications digitales, de la robotique et tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire avec le digital. L'objectif ultime d'Mbekot Kids est de présenter d'ici 3 ans des enfants camerounais aux différents concours internationaux qui concernent la technologie et le numérique. Ce que nous souhaitons plus tard, c'est présenter nos enfants aux concours internationaux de développeurs. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des concours mondiaux des développeurs qui sont ouverts aux enfants à partir de 5 ans. Malheureusement, le Cameroun n'y participe pas. Ce que nous, on souhaiterait, c'est dans 3 ans, présenter nos enfants de Mbekot à ces concours-là. C'est tout pour cette nouvelle édition d'Ecotech. Nous espérons que vous avez gagné en plus sur l'importance d'éduquer les enfants à la technologie dès le bas âge. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les messages d'éventuelles émissions postées. Nous vous disons à la prochaine fois, restons connectés.